Eh mes viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Total War Attila avec la faction des Danois. Aujourd'hui... C'est quoi, c'est un gouverneur ça? Ouais, je vais quand même faire ça pour pouvoir aller sur le trait de légende, y a pas... Y a pas à chier, une fois que t'es légende, t'es quand même le maître du monde. Ça te donne plus 4 d'ordre public sur toute... Sur ta ville, enfin sur la région, pardon. C'est quand même pété, quoi. Bon, donc, on va certainement attaquer la Calédonie. Pas la Calédonie. Si, la Calédonie. Londinium, là, je crois que c'est les Calédoniens, je suis pas sûr. Donc, on va bientôt les attaquer. Histoire de se faire des terres en Angleterre. Sachant que je suis allié avec les Eblani. On attaque les Calédoniens, qui eux sont alliés aux Pictes. Et moi, je suis allié. Zeblani, c'est ça. Toujours pareil, hein, l'idée, c'est de se fortifier un bon truc. Quoi. De sécuriser une zone. Et ça devrait passer, ça devrait passer. N'ayez crainte, amis viewers, nous allons y arriver. Les espions sont experts en subterfuge. Ah. Ils se font recruter via le bouton recrutement des agents lorsqu'une colonie est sélectionnée, mais peuvent nécessiter la construction préalable de certains bâtiments. Ils sont invisibles aux yeux de l'ennemi jusqu'à ce qu'ils se fassent repérer. Ah, ils ont du monde quand même. Les espions sont vulnérables face aux champions et exceptionnellement efficaces contre les prêtres. Embarcadère militaire, s'il te plaît. Voilà. J'ai pu un... Pas tellement vite. Pour l'instant, je passe des tours parce que j'ai besoin de refaire ma flotte. Ma flotte, j'ai fait un pillage avec. J'ai bourré la moitié des bateaux, donc faut que ça remonte. Et puis, mon armée de garnison dans la ville de... En Belgique. Je sais plus le nom de la ville. Mais c'est en Belgique. C'est pareil, elle a subi pas mal de pertes, donc on va essayer de la réparer un petit peu. Voilà, bon, lui il me réattaque direct, ça va être compliqué. Ça va. J'ai pas mal de guerriers à la hache. Ok, c'est bon. Il y a du monde en face. Hein. Moi j'ai juste une armée. Ok, allez c'est parti. Nous les tuerons tous. Voilà, commencez pas. Un groupe comme ça, on va se faire un groupe. Ah, j'ai plus de cavalerie par contre. D'accord, alors mes piquiers. Mais pitié de l'amour, mais défenseurs héroïques. Pas les piquer, on les met là. Non. Tu crois qu'ils vont venir ici quand même? Pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que là, je vais utiliser le 1. Là, vous voyez comme ça. Voilà.
Ah ouais, je voyais pas bien en fait, ça c'est... Putain. Je peux pas monter là-dessus? Je suis... Ça te foutrait pas de ma gueule, quoi. De sang et de bataille. Ah, ça y passeront pas. Vous ne passerez pas. Et le petit frondeur derrière. Niveau cavalerie, qu'est-ce que t'as à me proposer? Que dalle. J'arrive pas à coller mes... Je sais pas, ils se font la gueule les deux. Ah, ça y est, ils veulent bien être ensemble. Ah, on va les mettre genre ici, on verra bien ce qu'on en fait après. Donc là, je veux mon seigneur de guerre pour donner le roi de défense. Un autre ici, pour les barricades. Mes tirailleurs, là dans le coin. On verra après. Qu'est-ce qu'il resterait? Il reste plus. Commençons la bataille. The Birdie, les amis, en avant, let's go. On dirait qu'il s'apprête à nous poigner. Rapide. Les renforts ennemis sont en approche. Les renforts ennemis, tu veux dire en plus des deux armées, hein? Ah merde. Ah oui, je croyais qu'il y avait tout le monde, moi. Je vois pas trop où ils vont ces points. Prêt pour la bataille. Courez. Oh, puis là il y a beaucoup de monde. Hein. J'ai peut-être été un peu trop. Que les dieux nous protègent. Mais venez par là, en fait. Venez par là. Venez par là, ce sera très bien. L'ennemi s'approche. On va charger. Il arrivera jamais à temps. Oh putain. Oh, j'ai tellement fait le coup. Ici, oh, toujours cette petite charge là que j'adore. Oh, le sang, la mort, tout ça, y'a pas de problème. Yeah. Ici, ouais, cette tour est perdue. Arrête en combat et impatient. Oh oui. Cavalerie de pierre. Peut-être pas perdu en fait. Je casse tout de suite avant que les piquets arrivent sur la gueule de ma cavalerie. Projectile. Mais ouais, d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, ils vont balancer leur javelot dans le dos. Ok, ici. Je viens de voir sur la minimap les renforts. Ah ouais, bah alors. Ils sont putain, je les ai pas déployés sous. Les hommes sont brisés et tentent de sauver leur peau. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, je viendrai tout à l'heure. Ah non, mais c'est bien, tu vois. Bouge ma cavalerie. Ici, c'est en train de se passer de manière fort agréable. C'est pas grave, ici. Je te tiens. Ici mes piquets font vraiment un très 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 bon boulot. On va les booster si en vous défense. Voilà. Toute cette armée là, vous inquiétez pas. Cavalerie. Prends les cavaliers qui sont là. On va les aider ici. Prêt pour la bataille. Toi, je t'occupe de lui. Guerrier, je vais te donner un coup de main là-bas, sinon ça va sceller. D'accord, ils font le tour quand même finalement. Je sais pas trop par où ils vont essayer de débarquer. Allez, je vais faire avoir sur cette tour, je vais faire avoir. Les hommes ont lâché leurs armes et s'enfuient. Allez, franchement, il y a moyen. Vous êtes 490 là. Voilà, les javelots commencent à fuser de toutes parts. L'ennemi nous tend une embuscade.
Il y a deux unités, enfin trois unités de tirailleurs, plus la tour. Portez-vous les doigts du cul un petit peu. Hein. Une de nos unités ne peut plus tirer. Ah oui, non mais d'accord. Ok, j'avais pas capté. C'est pas une simple unité, c'est... d'accord, c'est un seigneur. Ok. Nous leur percerons le cœur. On y va. On va arrêter de courir après, merci. Lance parée. On y va. Donc là, c'est quoi? C'est... D'accord, donc ils sont tous en train d'arriver. Okay. Pas de problème, là. De vous exciter. Nous les tuerons tous! Seigneur de guerre! Ici ça donne quoi? J'ai fini par l'avoir, leur général à la con. Guerriers sont assoiffés de sang! Bon sang! On a bien failli perdre cette courte. Ok. Le seigneur qui est là-bas, il est définitivement là. Je veux bien nous le 2 là. Le champ de bataille. Mais quelle honte. Ah non, c'est pas une honte, t'inquiète pas. Avec tout ce qu'ils ont fait, ils peuvent bien aller faire un petit tour. T'as fait le groupe avec eux? Pas le 3. Emmerdé avec le... Mais je veux pas faire la même erreur que la dernière fois. Sur les barricades, j'ai jamais fait. Excellent, regarde. Bah, il tape pas. Oh, mais je pensais qu'il se défendrait, moi, c'est quoi. D'accord, c'est pour les archers, alors. Seigneur de guerre. C'est intéressant, là-bas. C'est intéressant. On essaie de faire le tour. Nous sommes fuis le champ de bataille. Mais quelle honte. Guerriers sont assoiffés de sang. Troupe de guerriers à la hache. Attention, là j'attaque avec du bon. Vous souvenez, ouais. Je lui ai quand même donné deux guerriers nordiques pour l'aider. Guerriers, allons à l'arrêt de sang. Les hommes sont brisés et tentent de sauver leur peau. Projectile mortel, allez. Qu'est-ce qu'il fait, toi? Non, mais tire. Et putain, mais tire, quoi, enfin, je sais pas. Oh. Bon sang. J'ai mis un second souffle hein, depuis le temps qu'on se cartonne, j'imagine qu'ils commencent à être un peu fatigués les bétails. Retrait. Nos hommes ont abandonné.
abandonner et courent pour sauver leur... C'est vraiment la merde. Ils ont tellement d'arbalétriers, ces bâtards. Et puis voilà, quoi. Arbalète contre... Moi, j'ai pas fait. Et vraiment pas dans les mêmes proportions. Donc eux, il a une quinzaine d'unités d'arbalétriers. Moi, j'ai trois frondeurs. Alors qu'il suffirait que j'achète des chars. Je l'ai vérifié, mais je pense que c'est de l'armure légère quand même, les armes d'étrier. Ah, le nombre de cadavres qu'il y a, les mecs. Ouais, voilà, c'est du light. Regardez-moi les cadavres. Là, vous me demandiez l'autre jour où les... dans Total War Warhammer, où les... Où les vampires avaient leur squelette. Là, c'est juste une bataille. Hein. Petite bataille. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Le général ennemi est mort. Bon. Ils saigneront pour nous. Faut vraiment pas. Je sacrifie les troupes lui volontairement. Hein. On a pas envie qu'ils prennent la tour. Troupes de guerriers à la hache. Faut juste occuper, hein. On sera des formations de série, c'est ça. Faut juste de l'occupation de terrain, hein. C'est pas de la conquête ou je sais pas quoi. Ok, ils vont prendre une tour là-bas, mais c'est vraiment pas très grave. Repliez-vous. Les hommes ont lâché leurs armes. Qu'est-ce que je peux avoir comme perte? C'est vraiment ma faiblesse, hein, la distance. Ah, j'ai perdu un de mes généraux. Ah, je l'ai même pas vu partir, ce coup. Cette bataille de Qu'est-il, seigneur de guerre nordique? Oh yeah. Ok, bah ouais, ils ont des boucliers et tout, donc c'est cool, non? Ton mur de bouclier, tu feras rien. Ah, on va être pas mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes, comme d'habitude. Mais la victoire est là, de toute façon. J'essaie de m'en persuader un petit peu. Vous tirez, vous, ou pas? Ah, ils sont tellement peu que tu te demandes s'ils tirent, quoi. Sauver leur peau. Ok, mon mur de bouclier a fini par lâcher. Une de nos unités ne peut plus tirer. C'est bien, là ils sont en mouvement, ça nous arrange. Attention, on a du... on a de l'infanterie. Projectile mortel, par... Arrière, guerrière, arrière. Les hommes ont
lâché leurs armes et s'enfuient. Je suis un peu loin, je suis un peu loin. Je vais peut-être la rater. La passe. En avant ! Nous les tuerons tous ! Lèvez vos boucliers ! Lèvez vos boucliers ! Allez ! Lèvez vos boucliers ! Il y a des têtes qui volent, il y a des litres et des litres de sang qui coulent sur le champ de bataille. C'est la beauté de la bataille, la beauté de... Nous leur percerons le cœur. Ouais, je vais pas percer le cœur avant nous, je te le dis. Allez, je lance le seigneur de guerre aussi. Ici, ça se passe... Oh là 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 là, je croyais qu'il y avait moins de monde. Il y en a encore deux de plus, d'accord. Bon là, tout ce qui est corps à corps, on va très clairement les dominer, c'est certain. Les guerriers à l'âge, c'est groupe de guerriers nordiques à l'âge, c'est pas de la merde. Nous sommes abandonnés et courent pour sauver leur peau. Eux ils fuient, eux ils tiennent le coup. Eux c'est bon, vas-y, continuez à les bourrer, continuez à les bourrer. Je suis pas là de passer un niveau de difficulté supérieur. On n'y est pas. Ok, lui il devrait fuir en 2-2 aussi. J'ai plus du tout de projectiles. Dieu, soyez Pyrrhus. Nous sommes à deux doigts de la victoire. Une petite Pyrrhus. Ok, je préfère récupérer les prisonniers quand même. Bataille automatique, on va aider le copain. On est loin quand même pour aider le copain, hein. C'est bizarre. Ok, j'ai pu me refaire 4% de renfort, c'est cool. Bon, alors par contre, cette armée-là ne sera pas remise sur pied avant je ne sais combien de temps. À mon avis, ça va nous prendre un certain temps pour restaurer la chose. Non, mais le mieux, ce serait que je fusionne les unités, que je recrute de nouvelles, je pense. Sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Ok, alors j'ai combien de thunes? J'ai 3000. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est Gotiskanza, donc là c'est Ascolis, d'accord. Au niveau hygiène publique, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a une grande salle, champ clôturé, dresseur de panier, enclos à chèvres, salle du chef et bastion du chef. Il y a strictement pas de truc. On va le faire ici. Le puits. Et après je ferai un dépôt de sel pour le pognon, mais on va commencer par l'hygiène publique, c'est important. Ici, au niveau de l'hygiène, on est bon. C'est rare. Hygiène, c'est bon. Et la bouffe? La bouffe, c'est bon aussi. Gardu, machin, machin, là.
La bouffe, c'est pas bon. Et l'hygiène, ça a l'air d'être bon. Ça, par contre, voilà. Toujours 8000, toujours. Oh, 7957, mon dieu, ça baisse. Oh, ça va, regardez, pour le... Ça va, ça va. Un plus 2% de reconstitution. Ça va le faire aussi, ça. Ok, tout ça, c'est bon. Lui, ça mériterait encore 2-3 tours, hein, tranquille. Et au niveau de la diplomatie, est-ce qu'il y a moyen de... Non. Les marques. Salutations, mon ami. Nous parlerons non, ensemble oui, de ce bon, que vous voulez, quoi. Tant que vous useriez de vos chapeaux. D'accord. Bon bah, puis les autres sont encore pires, hein, évidemment. Moins 5, moins 6, moins 14. Ouais, bah. Bien, mais bah. C'est pas mal tout ça. C'est quoi ça, c'est les copains? C'est les jutes. Ouais, pour le coup, les jutes, c'est des copains. Y a pas de souci. Alors, au niveau de la quête, là, dis donc. Dis-moi tout ça. Tour 420, on est tour 416. Enfin, on est année 416. Question de la guerre, on est bon. Ensemble, nous vaincrons, on est bon. Qui est la Grande-Bretagne? Là, on n'est pas bon du tout. Kanza, on est bon. Commerce, on est bon. Franchement, on est bon. Ouais, y a juste ça où faut qu'on arrive à piller Lindum. C'est juste au nord. Et Warakom, c'est au nord encore. Donc, ce serait les Pictes. Ah, les Pictes et les Calédoniens. Prêt pour vos ordres. Est-ce que t'as moyen de recruter un petit peu... Êtes-vous prêt à remplir votre mission pour la tribu? On va rentrer en guerre, hein, c'est clair, je vous le dis tout de suite. Ça va chier. Là, ça va être la guerre en Angleterre dans 2-3 tours. Dans 2-3 tours, c'est le bain de sang. Hein. Ça va être la guerre, ça va être la folie. Moi, je vais rester en Belgique. J'ai l'impression qu'ici, tu vois, ça fait... Ils veulent la Belgique, les mecs. Je vais rester tranquille ici à les tanker. Et j'ai 4 ans pour piller les deux villes au nord, quoi. Et Borakum, c'est pas un port. Je vais capturer, hein. On s'installe, nous, on n'est pas là juste pour piller puis se barrer, hein. On s'installe. Je vais faire une déclaration de guerre en bonne et due forme, avec en demandant aux Eblani de me suivre, bien sûr. Les Alamans ont été détruits, ça m'intéresse ça. Il faut être en guerre contre les Calédoniens, c'est une demande de je ne sais pas qui. Non bah de toute façon c'était sûr. Hein. C'était sûr. Il n'y a pas de meilleure fin que la mort dans la bataille. J'ai 11 tours pour le faire. J'ai 11 tours pour le faire, donc on va le faire. On va le faire. T'inquiète. Plus chaud. J'ai combien de thunes là? 2300 et oh, bah, y a peut-être moyen de construire un petit truc là. Ah bah déjà on va réparer tout ça, c'est déjà pas mal. Oh! Bah non, normal. Ah bon? Bah comment on fait? Hygiène publique plus 5. Et pourquoi t'as pas plus 5 toi? Oh bah attends, je vais pas faire Sérieux? Oh bah non. On va pas faire des bâtiments d'hygiène publique dans chacun des... Oh non. Tu vois pas le bordel, toi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Influence religieuse, non. Ordre public.
Bah ouais, je veux bien, on est juste à zéro. On va passer à la patte. On passe sur la côte, hein? Bah, eh. Bien, côte. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, ils vont sûrement chercher des troupes pour tourner à la guerre. Parce qu'ils se sont pris une bonne déculottée les Juifs. Hein, avec les Romains. Vas-y, à moi de jouer, fais pas ton... Hein, bon. Bien, 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 bien. Bon, bah écoutez, alors c'est pas que je le sens bien ou mal, c'est... Je sais pas. Alors, t'es en train de me dire que c'est pas un port, ça? Mais si je peux pas attaquer avec ma flotte, je suis dans la merde. Oh là là, ma flotte peut pas m'aider. Encore. Bon bah du coup je me casse avec ma flotte et je t'en viens. Et puis c'est tout. Et puis là bah faut que je recrute. Je peux pas, je pensais y aller comme ça mais... Non mais c'est quoi cette armée de merde là? Je peux pas faire beaucoup mieux les gars, je suis désolé, je sais que vous êtes en train de vous arracher les cheveux mais... Ah, il me faut une armée, j'ai pas de bâtiment de recrutement. On fait qu'est-ce qu'on peut. On fait qu'est-ce qu'on peut. Il y a plus de sous. Ok, bon ami viewer, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à commencer cette vidéo, à la liker, à la partager au plus grand nombre. Et on se revoit demain pour de nouvelles aventures. Ciao.